suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que je suis en vacances. Et oui, donc nous sommes prêts à partir. Je vais vous emmener avec moi, comme je vous avais dit un petit peu, hein, pour vous montrer les endroits qui sont sympas. Ça peut vous donner des idées si vous venez dans la région. Donc en fait, on va au Baux de Provence. C'est à 3 heures de chez nous à peu près. Donc les Baux de Provence, c'est super connu, ce petit village, pour sa carrière des Lumières. Donc on va surtout visiter la carrière des Lumières. Parce que malgré qu'on soit ici depuis assez longtemps, on n'a jamais été voir encore. Donc voilà. Alors en fait, la carrière de Lumières, c'est un centre, ils disent que c'est un centre d'art numérique. C'est fait dans une immense carrière, évidemment. Et donc là, ils projettent, selon le moment, parce que ça change de sujet, ils projettent des lumières et de la musique. Alors souvent, c'est sur un peintre. Alors là, en l'occurrence, c'est de Vermeer à Van Gogh et il y a aussi Mondrian. Et aussi, ça, je crois que c'est le matin et l'après-midi, ils font un truc sur Tintin, il me semble. Donc voilà. Alors nous, on va voir la première partie sur les peintres. Je suis pas une fan de Tintin, en fait. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça, je vous le filmerai un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend. J'en ai aucune idée. Donc voilà, ça va être la surprise. Et ensuite, on n'est pas du coup très loin de la Camargue, donc je pense qu'on va aller voir la mer, évidemment. Et on va aller du côté de Sainte-Marie en fait, en Camargue. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi. Et avant de partir, comme vous avez vu, je suis passée à mon magasin qui vend du matériel d'art et bureautique. C'est Lacoste. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Alors, je ne sais pas, comme vous avez vu, ils font pas mal de choses en fait finalement dans mon petit magasin. Et en fait, j'ai acheté, je vais vous montrer. Alors à la base, vous savez, je vous ai présenté ce sac que j'ai fait pour partir en stage d'aquarelle à Aix au mois de juin. Mais du coup, je le prends avec moi quand je m'en vais ailleurs. Et il me manquait des choses pour pouvoir faire de l'aquarelle dehors, mais rapidement sortir mes affaires, mais que ça soit assez rapide. Des choses que la peintre a conseillé pour le stage. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur et je vais vous montrer ça. Alors voilà, donc en fait c'est un, je sais pas comment on s'appelle, c'est pas fait pour ça normalement. C'est un truc pour coincer les documents ou dessiner, je sais pas, avec une pince là. Alors j'ai acheté aussi alors le chiffon et je vais vous montrer. Alors il me manque mon truc que je vais faire en couture pour, vous savez, mettre les pinceaux. Et donc il y aura toujours des feuilles évidemment et ça voilà. Voilà, j'ai acheté ça en fait, c'est pour pouvoir mettre de l'eau et le pincer ici. Voilà, c'est excellent ça. Donc ça, et ici j'ai acheté des pinces en fait pour caler, je sais pas hein, si ça peut vous donner des idées. Voilà, pour pas que ça bouge. Et comme ça, c'est super pratique. Vous voyez, je peux l'emmener partout avec moi. Je trouve ça génial. Et j'ai acheté du scotch aussi, parce que j'en avais pas pour. Je prenais du making tape, mais franchement, voilà. Donc là, j'ai du vrai scotch pour pouvoir accrocher mes feuilles. Voilà. Et ma petite trousse, je la ferai en retour des vacances et je vous montrerai ça. Donc ben, je suis prête. Alors je vous dis à bientôt et je vous emmène avec moi. Thank you.
Always.